Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui au Col de Garde dans le 06, proche de la frontière italienne. C'est entre Sainte Agnès et Gorbio, si je dis pas de bêtises. Et nous allons faire cet ouvrage qui porte le nom de l'ouvrage du Col de Garde. Allez, c'est parti. Alors normalement, je crois que c'est le bloc 2. Hop, c'est bon, c'est passé. Alors, donc là on se retrouve à l'entrée. Il y a du spot ici apparemment. Donc là on retrouve une rotule d'articulation, c'était pour ce qui permettait de supporter le fusil mitrailleur qui se trouvait par ici. Là on retrouve, si je dis pas de bêtises non plus, c'est des gouttières lance-grenades qui permettaient de balancer les grenades sur les assaillants du bunker. Donc là, on va descendre, donc il y a une armoire qui entraîne le passage. Alors, ça va un peu vous comprendre. Juste attention, on passe la planche sur la tronche. Donc là, ça descend, c'est un peu bas. Je vais faire au fond, vous puissiez voir. Il y a 15 mètres de hauteur, grosso modo. Donc là, je ne sais pas ce que c'était. Des poutrelles métalliques, une ancienne inscription, je ne sais pas quoi ça correspond. Là on retrouve une petite pièce à pied en fort, donc je pense que c'était peut-être en cas de prise de l'entrée, enfin, je vais se poser là avec des fusils mitrailleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par là? Oh, alors ça c'est, voilà, alors comme à chaque fois je dis on voit toujours des animaux. La binôme vient de me montrer, regardez ça, c'est magnifique. Alors j'aurais tout vu, et ce qui manquait, ouais, c'était la chauve-souris. Alors c'est la première fois que j'en vois une comme ça d'aussi près. On va la laisser tranquille. Allez, on va continuer la route. Alors je vous avoue, je ne pensais pas qu'il descendait si profond sous terre. Hein. Donc, on s'enfonce dans les abîmes du fort. Ah, alors là on est sur... vu la couleur, ça ressemble un peu à la couleur qu'on retrouve sur les filtres à charbon. Par contre, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Sinon je ne vais pas lire, c'est effacé. C'est effacé. Donc là... C'est bizarre que bon, la porte est bien blindée là, mais il n'y a pas de mitrailleuse devant, c'est bizarre. Waouh! Alors, là on est sur une citerne. Alors citerne d'eau, dessus. Sur des citernes, pardon, il y en a plusieurs. Là dans cette pièce, voilà, on a la respiration du fort. Donc là c'est les petits moteurs qui permettent de faire tourner donc, ces filtres à air, enfin ces filtres à charbon pardon, qui servaient donc à purifier l'air extérieur pour le rendre propre à la consommation à l'intérieur. On va continuer la progression. On voit qu'une fois le sol n'est pas défoncé. Donc je vais pas aller trop vite. Alors, là on prend une petite tablette avec, alors ça je sais pas ce que c'est, on dirait une prise électrique de l'époque. Là on se retrouve donc sur un grand couloir assez long. On dirait qu'ils ont fait un plan là. Alors là, il y a encore le filament avec l'ampoule. C'est la première fois que j'en vois, parce que d'habitude, c'est toujours explosé. Donc on va progresser. Alors, au milieu, on trouve la fonte centrale, donc avec les objets du fort. Alors là, sur les côtés, je vous avoue, je ne sais pas ce que c'est cette barrière. Alors je ne sais pas si c'était un dortoir. Ou si c'était pour ranger le matériel. On a fini par le binôme. Attention, je vais vérifier. Marche au centre, marche sur le côté. Donc là, alors, deux directions. Celui-là, il est vraiment grand. Hein. Je ne voyais pas si grand, je vous avoue. Donc là, normalement, sur la droite. On doit retourner sur la petite tourelle qui est à l'entrée, je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, alors on est sur une chambre où il y a un joli coffre blindé. Ça, je sais pas ce que c'est, un peu du tout. C'est une gueule de radiateur, mais je sais pas si c'est ça, je peux pas vous dire. Donc il y a un deuxième coffre ici. Et du support. Oh, c'est bizarre là. Pourquoi la porte est attachée comme ça? Là, donc là, je crois que c'est des chambris. On reconnaît les petites tables qu'il y avait dedans. Ça, c'est un lit. Ou deux lits, hein, c'est les deux étages. On a la luminaire intacte. Il y a encore un tout les vents. Alors, pareil, là, c'est vraiment une première. C'est la première fois que j'en vois le complet. Donc, avec la bulle et l'ampoule à l'intérieur. C'est beau. D'habitude, ceux qu'on voit, ils ont été saccagés, c'est tout défoncé. Alors là, le couloir, c'est en train de grimper. Ah ouais. On va faire celui-ci. Là, ça grimpe sacrément, vraiment. Ça, il y a deux niveaux. On va décoller sur un bloc. Ah oui, d'accord. Donc c'était bien un bloc qu'on a vu tout à l'heure. Je pense. Non, d'accord. Donc là, on est sur le. Alors. Là, là j'aime pas que ce soit des lits. Je n'aime pas que ce soit des lits. Parce que là, il y a ça, regardez. Alors, artifice lumineux, non. Je sais pas si c'est pas le truc au phosphore. Alors, fusée détonante. 2,56, c'est ça, danger. J'espère qu'il y en a plus, simplement. Alors, donc là, c'est grimpe en haut. Je vais voir. Hop, tu me tiens ça. J'ai fait tomber quelque chose. Ah oui, j'ai vu. J'ai fait tomber ma clope électronique. C'est pas trop grave. Dites-moi juste que ça vaut le coup parce que là je suis mort. Ça grimpe encore là. Voilà, désolé les gars pour l'éclairage. Donc j'ai laissé ma lampe principale en bas. Là j'ai juste la lampe qui est sur mon support de cam. Alors elle éclaire bien mais elle éclaire à 2 mètres. Et ma frontale. Donc là, je crois qu'on est au pied de la tourelle. Ouais c'est ça. Alors, cette tourelle, je vais vous la montrer quand on sortira du fort. Je vous la montrerai par l'extérieur, pardon. Ah, c'est pénible, hein, je vous l'avoue. Alors, la seule et unique vue qu'on a depuis cette tourelle, parce que toutes les autres lucarnes sont condamnées, elles sont verrouillées depuis l'intérieur en fait. Donc on voit que c'est que par celle-ci qui mène sur un petit chemin à l'extérieur. Alors, la tourelle classique, sauf que là c'est la première fois que je vois ça. On dirait des prises électriques, hein, je pense que c'est des prises, ou alors c'était peut-être pour le micro, je sais pas. Donc en tout cas, il y en a deux. Ah ben là, alors c'est peut-être pas des prises, parce que là, voilà, vous avez une vraie prise électrique. Donc ça aussi, c'est la première fois que j'en vois une dans une tourelle. Donc là, il y a le verrou de la trappe de fermeture. Voilà. Le mécanisme qui servait à faire monter ou descendre la tourelle. Il est complet en plus. Et on a au milieu l'axe. Donc là, celle-là, je sais pas si c'était une GFM. On va descendre. Donc je vais couper le temps de redescendre et on se reprend plus bas.